côté du menu, il y a ma tête avec mon prénom. C'est quand j'étais plus mince. J'ai pris quelques kilos, j'ai pas de réflexion. De l'autre côté, quelques musiques. Le but de la soirée est très simple. Vous choisissez une musique et il y a que moi pour danser. J'improvise sur la musique que vous avez choisie. Qui a fait un choix ? Gainsbourg, pour commencer la représentation. Thomas Lebrun, le directeur artistique du CCNT, s'exécute en totale impro. Soit danser sur la musique, soit être sur les paroles, danser à partir des paroles, danser qu'à partir de la mélodie, être en contrepoint radical avec la proposition musicale. Il y a énormément de façons de faire, de possibilités. Chorégraphie gestuelle quasi comique sur Nicoletta. Danse plus contemporaine sur Jeanne Moreau. Et enfin, l'émotion sur Dalida. Le chorégraphe s'offre au public, mais attention à ne pas froisser le maître de cérémonie. J'ai l'air méchant. C'est pas pour les besoins du spectacle, mais finalement, il y a un côté un peu maître de cérémonie, un peu rentre-dedans. C'est le décalage entre le personnage présentateur et, la personne qui danse qui donne aussi une dynamique différente dans le spectacle. Solo What You Want, un spectacle qui rend la danse contemporaine plus accessible au grand public. L'idée, Thomas Lebrun et sa troupe l'ont développée en 2005 dans le département du Nord. L'objectif était alors d'amener la danse dans des villages plutôt réfractaires à des programmations jugées élitistes. On est quand même des danseurs contemporains qui improvisent sur scène, mais avec, on va dire, un apport musical populaire et aussi une approche au public plus populaire. Et le concept a plu et plaît toujours, tant dans les milieux populaires qu'auprès d'un public plutôt bobo intello. Déjà une centaine de dates passées pour la version solo, idem pour la version en groupe, un concept basé sur la participation des spectateurs, appelés eux aussi à se mouiller et à s'exercer à quelques pas de danse.